En fait, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai été votée. D'ailleurs, il fallait demander ça aux autres. Ouais, peut-être une femme de caractère plutôt. T'as trop plein d'idées dans la tête. Les idées qui m'étaient venues, c'était voilà, la continuité de la cantine. Parce que ici, à la cantine, elle s'arrête le mercredi. Il n'y a pas de cantine le mercredi. Du coup, l'idée, c'était de faire le relais. Continuer la cantine, mais niveau local, manger localement avec nommer les plats localement en djéhou, manger djéhou, parler djéhou toute l'après-midi, rien que la langue djéhou. Parce que nos enfants aujourd'hui, dès le plus jeune âge, ils commencent à parler en français. Alors on a remarqué que la langue elle se perd. Du coup, on a dit que en mangeant, c'est convivial quand même de toujours discuter à la langue. Par rapport aux artisanats pour valoriser tout ce qui se fait manuellement. Il y a des mamans parmi nous qui font plein de choses magnifiques, rien qu'avec la nature. Décorer les mariages, les maisons communes pour les mariages, avec tout ce qui est artisanal, rien qu'artisanal, pas acheter au magasin. Parce qu'en ce moment, les mariages en décoration, ils dépensent au moins 200 000 balles pour. Des décorations made in China. On pourra vraiment trouver des jeunes dans la tribu et même dans les tribus alentours. Elles peuvent venir adhérer à notre association. La porte, elle est bien ouverte. Elle n'a pas de barrière ni religieuse, ni politique. Elle est ouverte à toutes. Et bienvenue à toutes celles qui veulent entrer d'ailleurs.